Et bienvenue à vous toutes et à vous tous qui êtes venus si nombreux assister à cette rencontre entre Alain Mabankou et Arnaud Bertina pour un échange intitulé « Ombres et lumières de Pointe-Noire ». Pointe-Noire qui, comme vous le savez, cette année est l'une des deux villes congolaises avec Brazzaville, invitée de Livre Paris et un lieu que nos écrivains connaissent à différents degrés. L'un, Alain Mabankou, parce qu'il y a grandi et que c'est une source dont il parle régulièrement dans ses livres, dont Lumière de Pointe-Noire, puisque c'est le récit en 2012 de votre retour là-bas après 23 heures d'absence. Mais on peut aussi citer... 23 ans d'absence. Mais on peut aussi citer le dernier roman que vous avez publié, Petit Piment, qui commence dans un orphelinat à Luango, près de Pointe-Noire, et qui est un livre en hommage à tous ceux qui sont... en errance sur la côte sauvage à Pointe-Noire, qu'il soit grand ou petit. Et puis vous, Arnaud Bertina, parce que vous y êtes allé à plusieurs reprises, d'abord en février 2015 et puis en novembre de la même année et enfin en janvier 2016, ces deux derniers séjours étant particulièrement consacrés à des ateliers d'écriture que vous avez effectués à la demande d'un centre dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut français à Pointe-Noire et l'ambassade de France au Congo. C'est un centre de formation de l'ONG ASI, acronyme de Action de Solidarité Internationale. Et c'est un programme humanitaire dont les bénéficiaires sont de jeunes filles mineures obligées de se prostituer pour survivre. Et l'ambition de l'équipe, évidemment, est de permettre à ces jeunes femmes de quitter progressivement ce milieu par une formation, entre autres, professionnelle et se réinsérer, voire s'insérer dans la société. Et c'est un atelier qui a donné naissance à un recueil intitulé « Le foyer des filles vaillantes », voilà, dont nous allons parler plus précisément dans un instant. Mais pour commencer, puisque cette rencontre s'inscrit sous le signe, sous le thème d'ombre et lumière, qui là aussi nous rappelle, cher Alain, la magistrale leçon d'inauguration que vous avez donnée jeudi dernier lors de votre entrée au Collège de France, avec ce puissant discours intitulé « Lettres noires des ténèbres à la lumière ». Si vous voulez bien, entrons d'abord dans la lumière avec vous. Mais avant de donner la parole au Ponténégrin que vous êtes, j'aimerais que Arnaud Bertina, plus étranger, entre guillemets, nous raconte à la fois sa vision de la ville. Quelles ont été vos premières impressions lorsque vous êtes arrivé à Pointe-Noire et quel est votre attachement à ce pays et peut-être plus généralement à ce continent qui vous ont donné envie d'y retourner, d'y travailler? Bonjour. Je pourrais répondre de plein de manières différentes, c'est-à-dire j'ai à la fois une sorte d'attachement presque, je pourrais dire, un peu familial à l'Afrique subsaharienne parce que j'ai... Un grand-oncle, en fait, qui a été administrateur aux colonies. Et quand je visitais sa maison l'été en vacances dans le sud de la France, il y avait beaucoup, beaucoup de souvenirs, en fait, de cette partie-là de sa vie. Et ça m'intriguait énormément. Je voyageais peu avec mes parents, mais cette maison était pleine de voyages. Et elle était pleine d'un continent et de cultures qui étaient radicalement étrangères au reste de la famille, qui ne s'y intéressait pas du tout. Donc c'était vraiment un bloc d'altérité incroyable. Et pour l'enfant que j'étais, qui ne posait pas beaucoup de questions, je regardais ces objets, ces tentures, et c'était très très intrigant. Ça avait une force en fait sur mon imaginaire qui était vraiment très puissante et qui s'est continué en fait dans une fois que j'ai commencé à écrire. Je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais la question de l'ailleurs, la question des réfugiés, la question de l'exil, la question de l'identité étaient des questions qui étaient très marquées en fait par ces fragments là d'enfance et qui se sont retrouvées, ces questions, dans tous mes livres quasiment. Et donc ensuite, quand j'ai eu la possibilité enfin de partir et de découvrir l'Afrique par moi-même, ça a été un choc considérable, un choc que j'ai pas été capable d'anticiper, c'est-à-dire je ne savais pas exactement ce que j'allais y trouver et le bien que ça allait me faire, mais ce bien-là a été colossal. Alors s'il fallait que je le développe, là ce serait peut-être un petit peu long pour une entrée dans le débat, mais... Non, mais néanmoins vous êtes allé au Mali, je crois. Au Mali, au Cameroun, au Congo, en Afrique, en Algérie et au Maroc. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, encore plus que le Maghreb, c'est certainement l'Afrique subsaharienne. Ouais. Donc Pointe-Noire, une découverte. Première impression. L'impression, bon, alors évidemment, encore une fois, c'est une parole évidemment obligatoirement très différente de celle d'Alain, qui la connaît d'une manière autrement plus complexe et forte. Mais moi, j'aurais envie de dire que ça ne se distinguait pas obligatoirement des autres expériences que j'ai pu faire au Mali ou au Cameroun, au sens où ce que je trouve là-bas, une sorte d'énergie qui est partout présente dans la rue, dans la ville, j'ai pu le trouver aussi au Mali et au Cameroun.
En revanche, la grande différence, c'est que la Pointe-Noire, c'est en fait une ville immense. Portuaire, mais pas obligatoirement tant tournée vers l'océan que ça. C'est-à-dire qu'il y a quantité de quartiers de la ville qui ne laissent même pas imaginer que l'océan est si près. C'est assez étrange. Donc il est beaucoup question, par exemple, de la côte sauvage dans Petit Piment, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'en voient pas obligatoirement la couleur. Cette ville immense que je n'avais pas encore expérimentée, puisque par exemple Bamako est une ville beaucoup plus petite que Pointe-Noire, c'est quelque chose qui a été très fort pour moi, de voir l'identité de tous les quartiers. Il y a au moins une trentaine de quartiers très différents les uns des autres. C'était une expérience très très riche. Et puis ensuite de pouvoir avoir cette espèce d'immersion plus précisément dans le quartier de Thiétier, oui, où se trouvent les locaux, oui, de cette ONG, des tout petits locaux, mais voilà, où ils sont implantés et où viennent ces filles, ces bénéficiaires tous les jours, c'était encore plus beau, c'est-à-dire de se concentrer sur une dizaine de rues et de voir comment la vie s'organise dans ces 10 rues-là. C'était une expérience très forte. Et donc voilà ma Bankou qui y avait vécu jusqu'en 1989, si je ne me trompe pas, et qui est donc après 23 ans d'absence y est retournée en 2012. J'imagine que vous avez dû trouver que Pointe-Noire avait changé. Dans quelle mesure ? Oui, Pointe-Noire avait beaucoup changé parce que dans les années 80, il y avait encore les vestiges du communisme, il y avait encore cette insouciance et peut-être cette enfance qui était la nôtre, celle qui nous poussait à aller nous promener le long de la côte sauvage, qu'Arnaud Bertina vient de rappeler, celle qui voyait petit à petit la ville changer de forme, de visage. Mais il y avait encore cette sorte de poésie urbaine qui se constituait au fur et à mesure. Et moi, j'avais toujours l'impression que la ville restait immobile, qu'elle ne changerait jamais, que la photographie que j'avais prise de mon enfance ne serait jamais altérée par ce qui allait venir plus tard. Ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de peut-être féliciter et même encourager le regard comme celui de Arnaud Bertina. Il est dans la tradition de René Caillé, il est dans la tradition de Michel Léris, ces Français qui avaient compris que l'Afrique n'était pas, ou le Congo n'était pas simplement une petite cour de récréation coloniale où on arriverait pour venir prendre des objets exotiques qu'on viendrait exhiber en Europe. Et ce qu'il fait est essentiel parce que j'ai besoin de son regard aussi pour comprendre cette ville. J'ai besoin de ses sensations pour comprendre cette ville. Et une rencontre comme celle que nous faisons aujourd'hui est importante. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, entre lui et moi, ce qui nous réunit, c'est ce que j'appelle cette fracture coloniale dont nous sommes les héritiers. C'est-à-dire que je ne peux pas passer mon temps à le regarder et à dire qu'il est en train de donner une image peut-être exotique. Non, il cherche à comprendre ma ville, non pas pour trouver des éléments d'excuse à ce que ses ancêtres auraient fait, non, parce qu'il comprend aussi que pour avoir un dialogue avec moi, il faut bien qu'il aille voir comment je vivais, comment ma ville est, et de ce fait, le langage que nous avons, le discours que nous avons devient débarrassé de tous les clichés. Peut-être même que pour mieux me comprendre, pour mieux comprendre mes livres, il faut aller dans le regard d'Arnaud Bertina. C'est pour cela qu'en découvrant son travail, je pense que c'est un complément. Mm. Ce qui manque à la France, c'est justement le miroir. Mm. La France aimait toujours se regarder elle-même, mais il faut aussi regarder la France dans les yeux des autres, comme aujourd'hui, je regarde ma ville dans les yeux d'Arnaud Bertina. Si je peux me permettre, c'est à la fois très généreux de la part d'Alain de dire ça et en même temps c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire j'ai fait paraître un petit conte qui s'appelle Des lions comme des danseuses et on m'invitait à réfléchir à l'identité européenne. Et en fait le pied de nez que j'ai voulu faire à cette commande, c'était justement d'en passer par l'Afrique. C'est-à-dire je me disais on ne parle que de l'identité européenne en termes de fermeture, de Schengen, etc. Alors qu'on ne peut pas se concevoir sans ses voisins et sans regarder ses voisins. Et donc à partir de ce moment-là, moi je suis parti pour ce petit conte, je suis parti justement au Cameroun
en faisant une sorte de fable autour du musée du Quai Branly qui devrait s'ouvrir gratuitement à tous les pays dont il possède des œuvres. Et c'est vraiment cette idée qu'on ne peut pas s'inventer tout seul une identité, elle se fait obligatoirement dans un dialogue avec les autres. Et le dialogue le plus évident, moi, à mes yeux, pour l'Europe, en tout cas pour la France, qui a eu ce passé colonial aussi fou, c'est justement de renouer un dialogue très puissant avec l'Afrique. Et pour aller dans son sens, c'est que la fameuse identité européenne, l'erreur que nous commettons, c'est de penser que l'identité européenne est sortie de la cuisse de Jupiter, qu'elle était déjà toute vierge, tracée par les grands penseurs européens. L'avantage d'étudier, par exemple, ma ville, c'est aussi de comprendre qu'il y a eu des gens qui ont protégé cette Europe. La protection de l'Europe était essentielle. L'Europe était menacée, pas l'Afrique. L'Europe était menacée et donc il fallait aussi aller chercher des piliers qui puissent venir renforcer l'esprit même, peut-être, de l'humanisme. Donc c'est cette trace que nous sommes en train de faire, expliquer de manière patiente, de manière un peu objective, le fait qu'une identité n'est pas forcément défendu par ceux qui ont la même couleur de peau, par ceux qui ont la même couleur, peut-être culturelle. L'identité est défendue parfois par des gens qui n'ont rien à voir, parce que nous, en Afrique, on aurait pu rester tranquillement dans les ténèbres qu'on nous disait dans lesquelles nous étions. Mais nous avions compris aussi qu'en défendant l'Europe, nous défendions aussi une certaine idée d'hospitalité et peut-être de secours de l'Afrique. Nous ne sommes pas dans une situation où, quand les gens sont en train de se noyer, on leur lance des manuels de natation et on va directement leur dire, voilà, l'Europe est menacée. Si on ne va pas sauver aussi l'Europe, un jour, c'est l'Afrique qui sera menacée. C'est dans ce sens que maintenant, le discours que nous avons aujourd'hui, et je suis content que ça arrive en ce net moment, parce que tout simplement, si on n'a pas ce débat aujourd'hui, on n'aura qu'un discours politique. Le discours que nous avons aujourd'hui dépasse la politique, rentre dans le cadre de la confrontation des cultures pour avoir ce que le poète congolais Tshikaya Outamsi appelait la civilisation de bronze. Le bronze, c'est l'alliage des métaux. Une identité, ben, c'est un alliage. Et cet alliage se retrouve ici par ce que nous faisons, aussi bien par le roman, aussi bien par la visite. Et lui, il a visité le pays. Donc, vous avez vu, par exemple, dans ma leçon, j'avais montré comment, au XVIe siècle, XVIIe siècle, les gens pouvaient écrire des encyclopédies sur l'Afrique sans avoir mis les pieds là-bas, sans avoir vécu avec les Africains, parce qu'on avait un catalogue de préjugés qui permettait d'écrire n'importe quoi sur n'importe qui au sujet de n'importe quoi sur les Africains sans avoir mis les pieds là-bas. Mais en allant là-bas, il va croiser les Congolais, il va aller dans les marchés, il va manger le sakasaka, il va manger le manioc. Je suis sûr qu'il a goûté des plats pimentés là-bas. Ça va un peu le rougir, mais bon, ça ira. Donc voilà. Souvent, donc, il mange dans les mêmes restaurants. Vivre avec les gens, comprendre comment les gens sont, c'est ça qui fait peut-être la vraie identité de demain. Alors, on va parler plus précisément et plus concrètement de ce qu'Arnaud Bertina a fait effectivement là-bas, puisqu'après une première expérience, vous avez accepté d'animer ces ateliers d'écriture. Il faut rappeler qu'au-delà, en effet, de vos activités de romancier, essayiste, animateur de revue, programmateur de festival, vous êtes aussi intervenant auprès de personnes qui sont dans la marge. Donc, vous avez rejoint ce groupe de jeunes mineurs. Est-ce que vous pourriez d'abord peut-être nous décrire leur profil, leurs différents parcours qui, malheureusement, se confondent aussi souvent quand même dans le même malheur l'abandon, des grossesses précoces, l'inceste, la prostitution. Oui, effectivement, le profil de ces jeunes femmes est le même quasiment à chaque fois. Il y en a très très peu, par exemple, qui viennent de la petite bourgeoisie. La plupart sont des enfants des rues, donc qui ont été abandonnés très très tôt, voire qui ont grandi dans la rue. Et la plupart de ces jeunes femmes ont commencé à se prostituer aux alentours de 13 ans.
certaines même encore un tout petit peu plus jeunes que ce présent. Là, les jeunes filles avec lesquelles je travaillais avaient à peu près 17-18 ans, mais certaines voilà, étaient déjà depuis plus de 5 ans dans la prostitution. La plupart étaient déjà mamans, d'un ou deux enfants. Et donc, elles sont, ces femmes-là, dans une précarité colossale. Et c'est ce qui fait que les infirmières en maraude de l'ONG, en fait, se concentrent sur ces jeunes femmes-là. C'est-à-dire que parmi toute la population prostituée qu'on peut trouver à Pointe-Noire ou ailleurs, il s'agit d'aller vers celles pour lesquelles il y a une urgence vraiment dramatique. Et donc, je suis allé plusieurs fois, plusieurs nuits de suite en maraude avec ces femmes-là, qui sont accueillies, mais vraiment comme le Messie, par les jeunes femmes. C'est-à-dire les jeunes femmes sont habituées à les voir, elles sont habituées à les écouter. Et donc, quand elles font des leçons de prévention, justement, sur les maladies sexuellement transmissibles, etc., elles les écoutent vraiment très, très attentivement. Les proxénètes même coupent la musique de façon à ce que les filles comprennent bien ce qui leur est proposé. Et la plupart sont effectivement très demandeuses parce que l'association, en fait, leur offre des soins gratuits, leur offre un repas gratuit par jour et des cours d'alphabétisation et une formation professionnelle. Alors, justement, une question de fond quand même, parce que dans le cadre de cette association humanitaire qui est d'abord un foyer d'accueil, qui apporte une aide physique, psychologique, une formation professionnelle, on l'a dit, pourquoi est-ce que c'est important, nécessaire pour eux que ces jeunes femmes suivent un atelier d'écriture? En quoi l'écriture est-elle aussi une aide? Oui, alors ça, on pourrait certainement répondre tous les deux. C'est une question qui est très compliquée. C'est très compliqué d'apporter une réponse précise à cette question-là. C'est-à-dire que quand on lit un roman d'Alain, par exemple, il peut y avoir un premier effet immédiat à la lecture. Il peut y avoir un effet 2 ans après. Il peut y avoir une relecture mentale du roman 3 ans, 4 ans après. Enfin bref, on ne sait jamais trop ce que l'on reçoit quand on est face à une œuvre ou quand on est lancé dans une pratique artistique. L'ambition, évidemment, de l'ONG, c'est de dire par l'écriture, il est possible de réparer quelque chose. Il est possible de réparer une douleur. Il est possible de réparer justement le sentiment d'abandon qu'ont toutes ces jeunes femmes. Elles ont été abandonnées par leur famille, elles ont été abandonnées par leurs relations, etc. Et que peut-être par l'écriture, il est possible qu'elles retrouvent une forme de fierté, peut-être que leur soigner l'ego un petit peu, c'est-à-dire de dire voilà, ton histoire doit être entendue, tu n'as pas à en avoir honte, tu n'as pas à te cacher et tu peux peut-être l'assumer. Donc peut-être par l'écriture. Mais voyez, je peux pas m'assurer, j'ai travaillé donc avec 25 d'entre elles, je peux pas vous dire voilà quel effet va produire ce travail-là sur ces jeunes femmes. La joie de recevoir le livret imprimé, elle est certainement grande, mais ensuite, de quelle manière ça va guérir un petit peu leur âme pour celles qui seraient les plus blessées. Toutes ne le sont pas, hein. C'est très important. Et moi, pour le coup, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les romans d'Alain Mabankou, toutes ne sont pas blessées. C'est-à-dire que certaines ont tellement de vie en elles que, quand bien même elles ont vécu des choses absolument effrayantes, et notamment, je pense à une Francine qui depuis l'âge de 13 ans a vécu des choses absolument invraisemblables, elle garde la tête hors de l'eau. Et ça, c'est très très important de le dire en même temps, c'est-à-dire en même temps qu'on désigne la douleur, de dire aussi qu'il y a encore beaucoup beaucoup de vie. Oui, et on va en reparler en effet. Et voilà Mabankou, l'homme aux mille casquettes, d'abord parce que ça a été longtemps votre marque vestimentaire, mais surtout parce que vous possédez mille talents, écrivain, essayiste, traducteur, professeur, critique littéraire, initiateur de projets, j'ai dû en oublier. Est-ce qu'il vous est aussi arrivé d'animer des ateliers d'écriture avec des personnes en marge de la société? En marge de la société, pas encore. J'aimerais bien, mais je fais un cours de création littéraire. C'est-à-dire ce qu'on appelle ici on dit les ateliers d'écriture, mais aux États-Unis c'est les creative writing, c'est-à-dire que j'essaye autant que faire se peut d'insuffler le goût de la lecture et peut-être au milieu de ces étudiants, voir ceux qui peuvent avoir peut-être des talents littéraires pour aller jusqu'au bout. C'est une expérience que j'ai eu à visiter comme beaucoup d'écrivains. Vous allez dans les prisons, vous faites quelques exercices de littérature, vous lisez des textes. Mais c'est une expérience que je compte beaucoup développer parce que ce qui s'est passé à Pointe-Noire est très important. En dehors de l'exercice, il y a aussi le fait que ces écrivains, entre guillemets, sont rassurés de voir que leur parole est gravée quelque part. L'écrit a toujours une véritable influence chez les Congolais. Il ne faut pas oublier que le Congo a été la plaque tournante de l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire le lieu
intellectuelle comme l'a été le Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest ou le Bénin dans ce sens. Nous avons un certain respect et une certaine croyance dans l'écriture. On se dit toujours que cette parole qui est la nôtre, si elle est gravée quelque part, ça permet peut-être de fixer nos angoisses, de fixer nos rêves quelque part. C'est ce qui se passe dans les ateliers qui sont faits. Ces personnes sont conscientes que ce qu'elles ont écrit, ce qu'elles ont dit dans ce livre va peut-être aider d'autres qui sont dans des situations les plus délicates. Alors c'est vrai qu'il y a un culte de la littérature et j'en profite pour citer par exemple dans Lumière à Pointe-Noire, un de vos personnages dit, je vous cite, « Tout bon Congolais qui se respecte veut être écrivain, ils ont des manuscrits à foison ». Donc en fait c'est un vivier littéraire inépuisable. Ah oui. C'est un vivier littéraire inépuisable. Quand je vais au Congo-Brazzaville, si je reste un mois, je vais passer au moins 27 jours à lire les manuscrits. Parce que le problème avec un jeune auteur qui arrive, parce que chacun, tout Congolais est un écrivain. Hein, il a tout, les Congolais ont toujours un manuscrit sous les aisselles, hein, un peu comme en France. Donc, le Congolais arrivera, il vous dit de lire le manuscrit. Il y a un qui voulait d'ailleurs que je lise un manuscrit de 300 pages devant lui. Hein, donc, il a dit, voilà, il m'a amené le livre. Déjà, il a commencé par me voir à l'hôtel. Il a dit, il m'a appelé, bonjour, cher confrère. Donc, voilà. Donc, tout de suite, c'était lancé. Je me suis dit, oulala. Donc, il a publié. Je ne l'ai pas lu. J'avais des consciences. J'ai dit, mais est-ce que je peux avoir vos livres? Non. Je n'ai pas encore publié mon œuvre. Donc, voilà. Il y a un côté œuvre à l'intérieur. Donc, il m'a amené cette œuvre. J'ai commencé à lire un chapitre. J'ai dit, mais je vais continuer à les lire. Non, il faut le lire dès maintenant. Donc, il y en a un dont on a lu une bonne partie ensemble. Il y a ce culte même de la littérature. Et n'oubliez pas qu'au Congo-Brazzaville, un écrivain est aussi important dans la popularité que le joueur, le numéro 11 de l'équipe nationale. C'est-à-dire que quand vous allez au marché, la maman qui est là en train de vendre des arachides va vous donner des aliments gratuits, on va vous parler, on va vous suivre. Vous êtes un porte-parole. Ouais. Moi, j'ai vu un ministre qui a même dit, mais je ne comprends pas, cette femme ne lit pas, pourquoi elle respecte les écrivains? Mais parce qu'elle s'est dit que la vérité, ou peut-être l'authenticité, se trouve à l'intérieur de l'écrit. Je suis fier de ce pays parce que l'écriture est quelque chose d'essentiel. Parce que c'est le pays de Sonny Labutansi, Chikaya Utamsi, Dongala, Sylvain Bemba, Henri Lopez. Ça a créé une sorte d'émulation telle que si vous n'êtes pas dans la littérature, vous n'êtes pas Congolais. Chez nous, il n'y a pas que les danses à se tortiller, il y a la littérature. C'est-à-dire que quand un Congolais danse la rumba congolaise, il la danse en conjuguant les verbes à tous les temps. Hein. Il y a même le subjonctif imparfait dans la danse des Congolais, parce qu'ils pensent que la littérature doit sauver le monde. C'est peut-être le dernier pays au monde, avec certains pays latino-américains, qui pensent que la littérature est plus importante qu'un discours sur la nation, un discours sur l'économie, ou bien une présidence de la République. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre que les jeunes filles, Arnaud, avec lesquelles vous avez travaillé, avaient une vocation littéraire aussi précoce. Comment est-ce que vous avez été accueilli, vous, l'homme, blanc, français, écrivain? Est-ce qu'elles ont eu de la curiosité à votre égard, de la méfiance? Comment ça s'est passé? Non, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire le fait d'être blanc, d'être écrivain, enfin, je n'ai pas eu l'impression que cela jouait beaucoup. Il y avait une espèce de curiosité a priori. Ces jeunes femmes, elles ont la chance d'être souvent accompagnées, justement. Alors, il y a un atelier peinture, il y a les alphabétiseurs, il y a... Donc, en fait, elles se retrouvent dans une sorte de disponibilité permanente, dans une sorte de curiosité permanente pour les propositions qui leur sont adressées. Donc, moi, voilà, j'étais un peu pris dans ce bain-là et ma présence n'avait peut-être rien d'exceptionnel. En tout cas, ça ne s'est pas transcrit dans les gestes. Ensuite, il y avait de la part de certaines d'entre elles une grande curiosité, une envie de parler.
Chez certaines autres, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que ça les renvoyait immédiatement à cette partie d'elles-mêmes que le reste du temps, elles arrivaient à contenir et qui était faite de tristesse, de ce sentiment d'abandon dont vous avez parlé. Et pour elles, en parler une heure, ça allait. En reparler le lendemain, ça devenait compliqué. Et donc, j'étais obligé, moi, de respecter beaucoup ça et de me caler sur leur rythme à elles. C'est-à-dire que si la semaine d'après, elles voulaient à nouveau me parler, évidemment, j'étais là pour elles. Mais sinon, je sentais que je ne devais surtout pas les brusquer parce que le but, c'est de les aider à se réparer, c'est pas évidemment d'activer la douleur, quoi. Ouais. Alors justement, à la Mabankou, le milieu de la prostitution, c'est aussi un sujet que vous avez abordé dans vos livres, que ce soit dans Lumière de Pointe-Noire, où il y a d'ailleurs une scène avec une prostituée adulte qui vous prend pour un journaliste et qui exige que vous enregistriez ce qu'elle a à dire sur cette activité et que le monde entier connaisse la galère de ces femmes. Il en est aussi question dans Petit Piment avec votre personnage Moïse qui trouve refuge dans une maison close. Mais là, on parle de jeunes femmes mineures qui se prostituent. Vous avez eu l'occasion d'en voir à Pointe-Noire lors de votre dernier séjour ? Oui, j'en ai vu lors de mon dernier séjour. Et je pense que moi, j'ai vécu dans le quartier où s'est passée la prostitution, le quartier 300 qu'on retrouve beaucoup dans mes livres. J'en ai parlé, c'est vrai, dans Lumière de Pointe-Noire, puis dans Petit Piment, la prostitution est presque quelque chose qui vient sauver un individu. Quand j'étais gamin dans les rues de Pointe-Noire, pour nous faire un peu d'argent de poche, on travaillait pour les femmes prostituées, non pas pour aller racoler les clients, mais nous étions utilisés pour aller acheter les bières des clients, ramener chez la prostituée qui, à l'époque, zaïroise, on disait, ou congolaise, et à la fin, on nous donnait les pièces qui étaient là. Donc, ça m'a marqué fondamentalement de vivre dans un quartier dans lequel les prostituées faisaient partie de la société. Dans notre esprit, ce n'était même pas des femmes à qui il fallait jeter la pierre. C'était des mères, c'était des gens qui prenaient des enfants dans la rue pour les faire manger à l'intérieur de leur bordel, comme on disait à cette époque-là. Mais le quartier 300 existe encore, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques vestiges de cela. C'est dans un état, c'est vrai, pitoyable. Quand on lit Lumière de Pointe-Noire, il y a même des photos que j'ai intercalées à l'intérieur de cette partie-là. Ça fait partie de ma culture, ça fait partie de ce que je vivais tous les jours. Mais aussi, au fur et à mesure que nous allons, le problème, c'est la sensibilisation sur tout ce qui est sévices, maladies. Donc j'ai essayé autant que faire se peut dans mes romans, aussi bien de parler de ce passage, mais aussi de montrer comment c'est un problème très préoccupant pour la ville de Pointe-Noire. Oui, et particulièrement quand il s'agit de jeunes filles mineures, parce que particulièrement là, sur les mineurs, et ça pose des grandes questions. Le tourisme, voilà. Même le tourisme sexuel, voilà. Qui touche l'ensemble du continent africain, le tourisme sexuel est là. Dans ce sens, les mineurs, les femmes démunies qui n'ont plus rien, mais ça pose aussi la condition peut-être de la situation économique. Pointe-Noire, c'est la capitale économique du Congo-Brazzaville. C'était censé être le poumon de la ville, là où il y a de l'argent, là où il y a le port. Le port qui ramène beaucoup d'argent puisque certains pays enclavés du continent africain passent leurs marchandises par le biais de Pointe-Noire. Mais c'est devenu en même temps aussi une cité qui se trouve en danger à cause des conséquences de la modernité et peut-être du développement de ce tourisme sexuel qui ne se passe plus seulement dans les hôtels, mais a atteint également les quartiers populaires. Parce que quand on n'a rien, quand l'espoir s'est évanoui, quand on ne peut pas savoir ce qu'on peut manger le soir, eh bien, on est à la merci des touristes qui arrivent. Surtout à un âge fragile où, comme on voit dans votre recueil, Arnaud Bernat, certaines jeunes filles qui ne se sentent pas assez aimées par leurs parents parce qu'à l'adolescence, voilà, on se détourne de leur attention, qui sont dans une fragilité, qui tombent amoureuses. Alors, elles les appellent les loves. Mais évidemment, c'est souvent des garçons qui leur tournent la tête et qui ne suivent pas quand elles leur disent, voilà, je suis enceinte, ils changent de numéro de téléphone, ils bloquent les appels et tout. Alors pour revenir à votre travail, dans ce recueil, il y a beaucoup de photos, en effet,
très belle parce qu'on voit les jeunes femmes souriantes et ça donne vraiment du baume au cœur. Et on voit ces ardoises donc, sur lesquelles elles écrivent. Alors, comment ça se passait techniquement? Est-ce que voilà, vous leur disiez « écris un mot » Parce qu'en même temps, elles, pour certaines, elles sont déscolarisées, peut-être analphabètes. Donc, il faut aussi avoir une maîtrise de l'écriture. Comment ça se passe? L'ardoise devient un médiateur pour mettre un mot, deux mots, peut-être une phrase? Oui, l'ardoise est moins intimidante puisque c'est un petit espace, elles écrivent gros dessus. Alors, il y en avait certaines d'entre elles qui étaient capables d'écrire par elles-mêmes. Et donc, dans ce cas-là, ça se passait sur des feuilles. Et ces textes-là, ce sont des textes que je n'ai absolument pas eu besoin de retoucher en aucune façon. C'était des textes qui avaient une force incroyable, notamment celui de Taliane, qui est un très, très beau texte. En revanche, pour certaines autres qui avaient été déscolarisées très, très tôt, là, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, ça se passait dans le cadre d'un entretien, d'un échange que j'avais, un échange individuel. On restait dans la cour au vu et au su de tout le monde, mais on se mettait un petit peu à l'écart pour travailler ensemble. Ensuite, je retranscrivais ce qu'elle m'avait confié et le lendemain, je revenais avec le texte imprimé, puis je leur lisais, je leur faisais lire et on voyait ensemble ce qu'elles voulaient conserver, ce qui leur semblait juste, ce qui leur semblait étrange, etc. Donc il y a eu un peu voilà, toutes les étapes. Et les ardoises, c'était pour celles d'entre elles qui voulaient quand même écrire, mais qui ne pouvaient pas se lancer dans un long récit. Et donc on fonctionnait phrase par phrase. Et ça donnait, cette espèce d'économie-là a donné systématiquement des phrases hallucinantes. Par exemple, oui. L'une d'elles qui écrit « Quand je pleure, c'est ma fille, la petite fille en l'occurrence, elle a 3 ans, c'est ma fille qui sèche mes larmes ». Donc voilà, vous avez juste ça sur l'ardoise et c'est très très poignant, c'est très compliqué d'enchaîner, c'est... Donc on comprend que le lendemain, elle n'ait pas envie de me parler à nouveau, quoi, parce qu'à ce moment-là, elle a vraiment mis son cœur à nu et il faut respecter cette exposition-là. Quoi. Alors, il y a une question importante qui se pose aussi, c'est la question de la langue. Dans quelle langue écrit-on? Est-ce que c'est le français, la langue de l'administration, la langue du pouvoir? Est-ce que c'est le Kituba, la langue du Nord? Est-ce que c'est le Lingala, la langue qui est plus répandue dans le Sud? Sur quels critères s'opère le choix? Le premier réflexe, c'est évidemment d'échanger en français, puisque je suis malheureusement très handicapé de ce côté-là. Je n'ai que le français pour moi. Donc, et de fait, elles parlent toutes le français. Simplement, et on se rend compte très vite que c'est peut-être pas la langue de leurs émotions, c'est peut-être pas la langue de l'intimité, et c'est encore moins la langue qu'elles utilisent entre elles pour parler de leurs expériences. À ce moment-là, il a fallu vraiment que je devienne très attentif à ce qu'elles me disaient, parce qu'il arrivait qu'elles utilisent un mot, je leur en proposais un autre et elles validaient le deuxième mot, donc ça voulait dire qu'on n'était ni dans l'un ni dans l'autre en fait, et donc on cherchait ensemble et de temps en temps je leur disais mais parle en langue et puis quelqu'un va me traduire et puis on va voir, on va essayer un billard comme ça à plusieurs bandes. En tout cas, je savais que le français n'était certainement pas la langue de leurs émotions les plus intimes, et donc il fallait essayer d'utiliser toutes les langues qu'on avait à disposition, et parfois le veilleur de nuit qui venait nous aider quand il est arrivé un peu plus tôt et donc il venait traduire, ou alors les alphabétiseurs venaient traduire. Donc c'était très beau parce qu'en fait on s'y mettait à plusieurs et résultat on n'était plus dans un face-à-face qui pouvait avoir quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu peut-être un peu policier justement. Et donc à partir du moment où on était 3 ou 4 autour de la table, là il y avait quelque chose d'une forme de plus grande douceur qui pouvait se mettre en place peut-être. Et vous, Alain, vous avez grandi dans quel langue? Le Bambé, le Munukutoba, racontez-nous. Mais en réalité, chaque Congolais a au moins, au minimum, 7 langues qu'il, oui, qu'il comprend. Et oui, il peut ça. En parler 2, mais il peut à peu près comprendre 3, 4, 5 ouais. À l'intérieur. Même dans la composition de la famille. Mais oui. La famille n'est pas monolingue, mais comme oui. on pourrait dire. Vous pouvez avoir un père qui est Bembe, une mère qui est, je ne sais pas, Kouyou, un oncle qui a épousé une Bakouni, qui lui-même a eu des enfants avec, je ne sais pas, un Dondo, qui est allé dans le village des Teke pour aller faire des enfants qui auront, je ne sais pas, des origines peut-être du côté des Nzabi. Donc, c'est un conglomérat, si je peux même m'expliquer de la sorte. Moi, je suis fier de parler quelques-unes de ces langues. C'est-à-dire que les Congolais savent, quand je vais au Congo, je fais, pour aller à la télévision, je fais d'abord à 19h le journal en Munukutuba, qui est la langue la plus parlée à Pointe-Noire. Puis, à 19h30, je fais une interview en Lingala, la langue plutôt parlée du côté de Brazzaville et du côté du Congo démocratique en face. Donc déjà il y a ça. Et puis à 20h, on fait la langue française qui est la langue
officiel. Mais en général, puisque j'ai vécu à Pointe-Noire, donc je parle Monokutuba, je parle le Lingala, puisque j'ai vécu aussi à Brazzaville. Mais ma mère étant Bembe, donc je parle et comprends Bembe. Mon père adoptif étant Kenge, je parle Kenge. Le père biologique était Dondo, je parle Dondo. Ma mère, c'était un temps, avait eu une aventure avec un Vili, je parle Vili, parce qu'il fallait bien que je comprenne ce qu'il se disait pour aller dire à mon père qu'il y a quelque chose de grave qui se passe là-bas. C'était important parce qu'à l'époque, les mères étaient un peu plus libérées. C'est-à-dire que quand papa est au travail, bon, je vais avec mon petit amant dans le bar, mais j'amène l'enfant parce que l'enfant ne comprend pas les vili, donc je m'assois, mais à force d'entendre les mots, tout de suite ça revient. Donc je peux aujourd'hui estimer à peu près 7 langues congolaises que je comprends, dont 3 que je parle parfaitement, auxquelles il faut ajouter certaines langues diasporiques. J'ai appris le créole haïtien grâce à mes acquaintances avec Dany Laferrière, le créole guadeloupéen, parce que j'ai un fils de 21 ans, qui est, quand j'étais étudiant, qui est guadeloupéen. Donc, ça me permet un peu d'avoir cette tour de Babel. Et quand j'écris, oui, au fond de moi, ce qui ressort, c'est souvent le Monokutuba, parce que je suis un enfant de Pointe-Noire, parce que je suis un citadin de cette ville-là, ouais, parce que je respire dans le Monokutuba et parce que je pense que la langue de courtoisie de la ville de Pointe-Noire, c'est le Monokutuba. Et je suis très heureux quand je vais à Brazzaville et quand j'entends les gens parler cette langue. La langue française dont on parlait, tous les Congolais, même quand ils ne sont pas allés à l'école, peuvent parler leur langue française. Mm. Et c'est parfois cette langue française cassée que parlait ma mère, parce que ma mère n'est pas allée à l'école, ne savait pas écrire, mais qui pouvait parler son français. Et c'est ce français-là qui est plus intéressant pour moi, parce que cette langue est beaucoup plus chargée d'images, et ces images me permettent de garder la force de la parole et de ne pas trop me formaliser. C'est pour ça que mes romans sont parfois des romans handicapés, puisque à l'intérieur, c'est des langues plutôt syncopées. Et à force de mettre de la syncopie, on arrive à trouver un rythme qui ferait que c'est une langue française en apparence. Mais à l'intérieur, quand vous ouvrez le ventre de cette langue française, elle est tissée de toutes ces langues qui bouillonnent. En réalité, je ne suis qu'un traducteur d'un univers congolais dans la langue française. Vous dites langue cassée, Arnaud, je crois que vous employez le mot langue cabossée. Voilà. C'est une très belle expression, en effet. Alors, écrire, d'accord, mais écrire quoi? Parce que souvent, ces jeunes filles semblent aussi éviter le nœud de leur souffrance. À vrai dire, dans la vingtaine de textes de ce recueil, seules 2 disent clairement qu'elles sont prostituées. Une, sans phare, dit « voilà, je suis pute de bar ». Mais les autres, on a l'impression vraiment qu'elles sont dans l'évitement. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une source de souffrance, parce que c'est un tabou social aussi. Et j'ai l'impression que vous leur avez plutôt fait parler de bons souvenirs, finalement. Ben, je pense que ça, c'est l'éthique de n'importe quel écrivain. C'est justement d'essayer de toujours rester au plus près de la complexité de ce que vivent les gens et de surtout jamais caricaturer les expériences des uns et des autres. Et donc, quand je vois ces jeunes femmes, spontanément, j'ai une approche plutôt compassionnelle parce que leur vie est d'une dureté incroyable. Et en même temps, si je ne prends pas en note le fait que certaines d'entre elles sont très joyeuses, qu'à certains moments, elles ne sont pas accablées, mais au contraire, qu'elles sont capables d'une vie incroyable, y compris des fois le soir même dans les lieux de prostitution, et bien dans ce cas-là, je triche, c'est-à-dire je cherche à obtenir des larmes de crocodile, alors que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Quand Alain parle de bouillonnement, c'est effectivement le bouillonnement des langues, mais c'est aussi le bouillonnement des émotions, c'est-à-dire qu'on n'est jamais intégralement réduit au drame qui nous accable. Le nombre de gens, de SDF parisiens, de prostituées monténégrines qui sont quand même capables d'incroyables éclats de rire. J'ai des vidéos dans mon téléphone où on les voit toutes chanter ensemble et c'est une vraie joie, c'est pas une joie reconstruite. Il faut faire une place à ça, c'est la force de ces romans et c'est justement d'être capable en permanence de faire entendre ces variations qui peuvent être vraiment d'un instant sur l'autre, hein. C'est très très étonnant. Et donc moi je voulais essayer de faire une place à ces deux éléments, quoi, à ces deux humeurs très contradictoires.
Alors, du coup, dans quelle mesure est-ce que vous avez retouché ou pas les textes? Ce que je veux dire par là, c'est qui écrit dans ces moments-là? Est-ce que c'est la personne qui tient le stylo ou c'est la jeune femme qui vous dicte, qui vous raconte quelque chose? C'est très compliqué, c'est-à-dire que de la même manière que je ne possède pas le français, ça n'est pas ma propriété. De la même manière, à partir du moment où quelqu'un me raconte quelque chose, ça n'est plus à elle, ça n'est pas encore à moi, ça n'est à personne. Et donc, par exemple, il y a eu des fois où, par exemple, l'une d'entre elles, un jour, me dit qu'elle a fait un enfant, qu'elle a voulu avoir un enfant parce que ça lui permettrait ensuite d'avoir une formation professionnelle avec l'ONG. Alors je trouvais la phrase terrible de cynisme, de dureté, etc. Donc je la note, mais quand même, Et le lendemain, je lui dis, voilà, hier tu m'as dit ça, et elle m'a regardé pendant 10 minutes et elle ne comprenait pas du tout ce que je voulais dire. Et donc manifestement, là, il y avait eu des mots qui n'avaient pas été les bons et une écoute qui n'avait pas été la bonne de ma part. Et donc à ce moment-là, j'avais envie de garder cette phrase parce qu'elle était folle et j'étais presque sûr de l'avoir entendue, sauf qu'elle me dit non. Et dans ce cas-là, je dois à tout prix respecter le fait qu'elle me dise non, c'est-à-dire que peut-être qu'elle a pensé ça, mais manifestement, elle ne le maintient plus. Et dans ce cas-là, je veux dire, la réalité, elle est à la fois dans la phrase et hors de la phrase. Donc, qui écrit, c'est très compliqué. C'est-à-dire que je projette des choses et je dois à tout prix entendre quand même ce qu'elle me murmure et qui est des fois très, très différent de ce que j'ai pu projeter. Et sinon, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de découverte de l'autre, quoi. C'est-à-dire, si j'arrive avec uniquement mon regard compassionnel, je triche. Dans ce cas-là, je pouvais rester avec ce regard-là à Paris, c'était la même chose. Mmh. Si je fais le déplacement, si je découvre Pointe-Noire, si je prends autant de plaisir à vivre là, à vivre avec elle, il faut que justement ce Pointe-Noire-là me change. Sinon, encore une fois, je reste chez moi et j'écris un livre d'apitoiement sur ces jeunes femmes sans les avoir rencontrées. Oui. Je pense qu'il y a il faut qu'on ressente un pacte peut-être de confiance entre l'écrivain qui est là et les Congolais qui sont en face. Son travail me rappelle celui de Jean Asfeld quand il va au Rwanda pour écrire une saison de Machette ou les autres livres, La stratégie des antilopes et autres. C'est-à-dire que le Congolais ne se livre pas tant qu'il ne sent pas que la personne qui est en face n'est qu'un relayeur et que la parole que le Congolais va inscrire est la vraie parole, sa propre parole. Je pense qu'on ne peut pas tricher avec les sentiments et parfois on ne peut pas changer le rythme de ces phrases sinistres qui sont là. C'est ce pacte de confiance. Dès qu'on l'a, le reste n'est qu'une histoire de scribe. C'est-à-dire que lui, il devient en quelque sorte celui sur lesquels ces Congolais vont s'appuyer pour dire on te donne la mission de porter notre parole au-delà des frontières du Congo. C'est le rôle de l'écrivain. Ce qu'il fait n'est pas différent de ce que je fais lorsque j'écris Lumière de Pointe-Noire. Dans Lumière de Pointe-Noire, ce sont les personnages qui parlent. Ce sont mes cousins, ce sont les oncles, la voix est à l'intérieur. Donc je m'efface. La capacité à s'effacer est très importante. Si l'écrivain est trop omniprésent, ça ne devient plus les paroles des Congolais. Donc dans l'occurrence, lui, en s'effaçant, il met en exergue cette parole. Lui, il n'est que celui qui apporte. C'est-à-dire, le plat a été préparé, il devient en quelque sorte comme le serviteur qui va venir mettre les couverts, et bien vous vous installez, et après vous vous servez pour voir ce qui a été... Mais les cuisiniers sont là, et ils sont scrupuleux, ils ne voudraient pas que vous rajoutiez du sel ou trop du piment dans leur nourriture. Alors, oui Arnaud, vous voulez ajouter quelque chose? Alain a complètement raison, c'est-à-dire je me rendais compte par exemple à certains moments quand elle se confiait que c'était un français beaucoup plus sage qu'elle parlait avec moi. Et que quand elles parlaient ensemble en français, ce qui n'était donc pas toujours le cas, c'était un français qui était déjà beaucoup plus vibrionnant, beaucoup plus intense et beaucoup plus bizarre. Donc ensuite, moi, je devais à la fois prendre en note exactement le français qu'elle m'adressait, mais je devais aussi entendre cet autre français qu'elle parlait entre elles pour justement ne pas être dans... Encore une fois, que le texte ne soit pas que le mien, quoi. Il fallait surtout pas ça. Je crois qu'on pourrait donner l'exemple de cette jeune femme
qui se mélange un peu les pinceaux autour du mot souvenir et qui l'écrit trois fois différemment et vous faites une merveilleuse conclusion. Racontez-nous ça. Oui, ça c'était très beau, c'est-à-dire je lui demandais quel est ton plus beau souvenir récemment, quel est ton plus beau souvenir et donc elle écrit son texte et je le reçois ensuite et j'avais beaucoup de mal à le déchiffrer pour le coup et je passe une partie de la soirée sur ce texte et dans un premier temps je corrige quoi, c'est-à-dire en retranscrivant dans l'ordinateur je corrige et puis sauf que je me suis rendu compte que le mot souvenir effectivement qu'elle utilisait plein de fois dans le texte c'était à chaque fois un autre mot, donc un coup c'était s'ouvrir, un coup c'était s'ouvrir, un coup c'était, enfin c'était sourire. Incroyable, un coup c'était sourire, donc c'était très très beau en fait cette espèce d'erreur. Est-ce que c'est une erreur, j'en sais rien, peut-être jouait-elle, c'est tout à fait possible aussi quoi. Et donc je me suis mis à enlever les corrections que j'avais fait et puis à rétablir le texte tel qu'il était écrit parce que il y avait aussi tout d'un coup c'était s'ouvrir aussi au sens de s'ouvrir et ce que j'ai pas entendu immédiatement, il a fallu que le lendemain je lui lise le texte pour l'entendre moi à mon tour. Or quand on demande à quelqu'un quel est ton plus beau souvenir et qu'elle parle de s'ouvrir, c'est magnifique comme et donc je sais pas si cette jeune femme est écrivain mais peu importe, elle a à ce moment-là elle a la puissance de quelqu'un qui manipule la langue pour la faire sonner autrement. Et en même temps, vous respectez aussi la pudeur de certaines d'entre elles, parce que si la plupart se plient volontiers à l'exercice, il y en a une qui dit « moi, parler, ça ne m'aide pas ». Sous-entendu que écrire, ça ne doit pas l'aider davantage. Et en effet, l'écriture n'est pas que un soulagement, c'est même souvent un dérangement. Enfin, je ne sais pas, Alain Mabankou, quand vous écrivez, ça remue des choses aussi. Oui, forcément. Moi, je pense que déjà pour écrire, il faut que quelque chose puisse vous inciter à le faire. On écrit parce que voilà, on sent que si on ne le fait pas, on ne sera pas bien pendant des années et des années. C'est une sorte de colère retenue, c'est une sorte de sentiment indescriptible. Ça peut sortir de l'indignation, ça peut sortir aussi de l'excès, c'est vrai, de souffrance qui est là. Et pour traduire la parole des autres, il faut avoir la communion de leur souffrance. Je pense qu'il y a une énergie qui se dégage de l'écriture. Chaque phrase qu'on écrit dans un livre, le lecteur ne se rend pas compte des gesticulations de sentiments que l'écrivain a eu. Oui. Ce n'est pas facile. Un livre, quand il est sorti, on a l'impression comme ça que ça coule. L'écrivain a commencé la première page, il écrivait en chantant tranquillement jusqu'au bout. Il y a la souffrance dans chaque phrase. Moi, j'écrivais, par exemple, Lumière de Pointe-Noire, bout par bout. Et vous jetiez les brouillons dans la poubelle à chaque fois. Et pourtant, Lumière de Pointe-Noire, c'est du 2013. Donc, ça recule à 2012, l'écriture. Ouais. En 2012, j'écrivais encore sur papier. Parce que je me retrouvais dans mon pays natal. C'est là que je suis né. Comme écrivain aussi, c'est là que j'ai commencé à écrire. Mais dans mon pays, j'écrivais dans les cahiers parce que mes parents n'auraient pas compris qu'il fallait m'acheter une machine à écrire alors qu'on avait autre chose à faire. C'était pas une posture. Donc j'écrivais au bout de papier. En vivant à Pointe-Noire, j'avais les cahiers d'écoliers. Ça me faisait du bien d'arracher la page pour revenir. Ouais. Le bonheur d'écrire dans un cahier, c'est qu'on peut arracher la page, on peut la jeter et la retrouver. C'est vrai, on peut dire qu'aujourd'hui, quand vous écrivez avec l'ordinateur, vous effacez directement, paresseusement, vous trouvez des synonymes, vous pensez avoir trouvé cette sorte de flamme, mais la phrase est belle, mais il manque ces sentiments, il manque cette angoisse de l'écrivain, il manque cette incertitude. Quand on écrit, il faut être à la fois fort et faible. Il faut se dire que je risque de ne pas réussir ce livre. Un écrivain, c'est quelqu'un qui doute. Ou alors, c'est quelqu'un qui sait cacher ses doutes. Et celui qui n'arrive pas à écrire un livre, c'est parce qu'il a des certitudes. Parce qu'il veut, à tout prix, aller directement à quelque chose qui est déjà abouti. Moi, je préfère écrire d'abord quelque chose qui est dans le désordre. Et puis le retravailler. Dans Lumière de Pointe-Noire, c'est peut-être le livre dans lequel j'explique comment j'écris et j'explique comment les Congolais regardent cette écriture. Il y a un chapitre où les jeunes auteurs viennent me présenter les manuscrits et puis je les prends. Quand je commence à les lire dans l'avion, ça n'a plus la même force. Oui.
parce qu'il y a des écrits qui ne peuvent être lus et compris que dans les pays où ils ont été imaginés, où ils ont été écrits. Il y a des livres qui sont faits pour rester au Congo. Et c'est ces manuscrits-là que je les sentais. Une fois que j'avais pris l'avion, ils n'avaient plus de sens. Il fallait qu'ils soient publiés sur place. C'était comme des plantes déracinées, finalement. C'était comme des plantes déracinées. Mais en même temps, ça m'avait permis aussi d'avoir une réflexion sur l'écriture et de me dire, au fond, pour moi, Lumière de Pointe Noire est une sorte de poétique monténégrine de l'écriture. Comment écrire un livre en remuant les souvenirs sans être amer, mais aussi dans le but peut-être de transférer cette sorte de poésie à quiconque n'a jamais visité Pointe-Noire. Alors je voudrais qu'on revienne à cette notion de lumière qui est très importante. Vous le disiez à Arnaud Bertina, on ne sait pas quelle sera l'influence de ces textes, de cette écriture sur ces jeunes femmes. C'est peut-être une petite graine qui est semée quelque part. Est-ce que néanmoins vous avez la sensation que certaines d'entre elles ont déclenché un goût peut-être pour la lecture ? À défaut de l'écriture plus régulière, ouvrir des livres, comme on va en parler avec Alain tout à l'heure, qui s'est nourri de toute une bibliothèque. Est-ce que vous avez cet espoir ou pas tout à fait sûr ? Non, je ne suis pas certain. En plus, je me suis très peu présenté comme écrivain, c'est-à-dire que je ne venais pas avec mes livres. Enfin, il ne s'agissait pas de ça à ce moment-là. Donc, non, je vous avoue, je peux rien dire de ça. Elles n'ont pas demandé justement à lire des livres, pas forcément les vôtres en l'occurrence, mais à avoir entre les mains l'exemplaire d'une autre histoire racontée par quelqu'un d'autre. Non, non. Vous savez, par exemple, donc le quartier de Thiétier, il faut à pied, il faut à peu près donc une petite heure pour rejoindre le centre-ville où se trouve l'Institut français, qui est peut-être la seule bibliothèque de Pointe-Noire. C'est la plupart de ces jeunes filles n'ont jamais mis les pieds dans le centre, dans ce centre-là. En parlant avec elles, je me rendais compte que moi, en l'espace de 3 mois de présence, j'avais vu beaucoup plus de quartiers que certaines d'entre elles. Et l'une d'entre elles justement le dit dans un de ses texte, Florine, elle le raconte, elle dit voilà, je connais beaucoup de noms de quartiers mais en fait il y en a très très peu que dans lesquels je suis allé. Donc cette mobilité, elle est incroyable parce que moi justement, ça c'est le principe de l'argent, j'ai une mobilité qui est 100 fois plus grande que la leur et en même temps c'est fou, il y a une injustice qui est folle là-dedans, c'est-à-dire que leur propre ville en fait se résume à quelques quartiers et donc à partir de ce moment-là, aller vers les livres, aller vers les endroits où elles pourraient trouver des livres dans Pointe-Noire, c'est encore une question en fait de domination sociale et de restriction du champ culturel quoi. Donc non, je pense que c'est assez loin d'elle malheureusement alors malgré les cours d'alphabétisation etc. Malgré le fait, c'est exactement ce que disait tout à l'heure Alain, c'est-à-dire que elles connaissent le patrimoine culturel littéraire du Congo, c'est-à-dire qu'il y a des noms comme ça, notamment parce qu'il y a des centres qui ont pris les noms de ces grands auteurs-là, donc ce sont des choses qui sont présentes dans leur tête et effectivement sous la forme d'une fierté mais pas du tout d'une connaissance intime ensuite de ces œuvres-là. Mais qui viendra peut-être parce que Alain nous raconte merveilleusement comment il a passé des heures dans le centre culturel français à la bibliothèque où il lisait les livres par ordre alphabétique. Ça, j'adore cette scène extraordinaire et qui rêvait de ceux qui lisaient Zola, ils se disaient oh là là tout ce qu'ils ont lu alors que moi je n'en suis qu'à Balzac. Mais vous êtes au moins allé jusqu'à la lettre D parce que Jean Dutour vous le reconnaissez Oui, je pense aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ce même bâtiment que j'ai écrit Lumière de Pointe-Noire, puisque désormais, l'Institut français met à disposition un appartement en haut pour les artistes qui sont de passage. Donc, quand j'étais arrivé à Pointe-Noire, donc j'ai passé 2 semaines à l'intérieur. Donc, j'écrivais pratiquement Lumière de Pointe-Noire là où je lisais les livres quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans. À cette époque, les escaliers me semblaient gigantesques, interminables. Et quand j'arrive, maintenant, il faut que je me coure pour passer. Je me dis, mais où sont ces livres ? J'ai dit, mais les rayons qui étaient là, je dis, c'est les mêmes. Donc, ça devait être, comme plus on est petit,
plus, le livre a plus de pages. Parce que je pensais, en voyant le livre, je ne sais pas, les confessions de Rousseau, mais je voyais que c'était énorme. C'est-à-dire, ramener le livre dans le quartier, il me fallait vraiment une brouette. Mais maintenant, bon, écrire un livre dans ces lieux où vous avez appris la littérature, c'est une expérience extraordinaire que ne vivent pas peut-être beaucoup d'écrivains. Vous revenez en quelque sorte sur les lieux, non pas de la malédiction, mais de ce crime délicieux qu'était la lecture. Et c'est là que j'ai découvert ces auteurs par ordre alphabétique. Il y avait peu de littérature africaine, puisque quand on est gamin, on pense que la littérature nous vient d'ailleurs. L'avantage, c'est qu'on croit qu'en lisant, par exemple, Marcel Proust, on croit qu'il est congolais, puisque le livre est au Congo. Donc, Marcel Proust ne peut être que congolais. Par accident, il est blanc, mais bon, c'est pas grave. On lisait Marcel Proust, on pensait qu'il était congolais. On lui pardonnait, on disait, bon, c'est pas grave, il est blanc, il faut bien qu'il y ait un peu de blanc dans les mondes. Donc, on lisait Marcel Proust dans ce sens. On lisait Jean Dutour. Quand je suis arrivé à Nantes, en regardant Jean Dutour à la télévision, j'ai dit à mes amis, mais je l'ai lu. Les amis disent, quoi, tu as lu Jean Dutour? J'ai dit, il était bien placé, c'est-à-dire dans la bibliothèque. C'était, voilà, c'est ce que je raconte finalement dans Lumière de Pointe-Noire. Ouais. Donc bon. Être bien placé était essentiel. Sachez que, pour les bibliothécaires qui sont dans la salle, placez bien les auteurs. Un jour, les écrivains vont vous en vouloir d'avoir mal placé les auteurs. Bon, alors, elles ne seront pas tout de suite lectrices, pas tout de suite écrivains, mais ce n'est pas grave. Ces ateliers d'écriture, ces textes qui sont publiés, leur ont donné confiance. Sans doute ont mis de la lumière sur leur visage un peu plus qu'avant. Est-ce que ce livre, finalement, c'est pour elle, bien entendu, mais c'est aussi pour l'extérieur, j'imagine, Arnaud Bertina. C'est pour les gens de Pointe-Noire, c'est pour le Congo, c'est pour l'Afrique, c'est pour le monde. Pour le monde, ce serait très ambitieux. Il a été imprimé à 200 exemplaires. Donc, Soyons ambitieux. Disons que c'est collector. C'est déjà collector. Ouais. Juste une petite parenthèse. Le premier séjour que j'avais fait à Pointe-Noire, c'était avec des lycéens d'un quartier périphérique qui s'appelle Mpaka. Et, voilà. Et là, en revanche, les élèves de Mpaka font le voyage jusqu'au centre et à la bibliothèque. Et eux participent à toutes les expositions, etc. Mais parce que ce sont des enfants qui sont un peu moins dans la détresse que ces filles là du quartier de Thiétié. Ensuite, non, effectivement, le but, c'était à la fois de travailler, mon temps de présence, c'était essayer de leur faire du bien, essayer de les aider comme ça à assumer leur vie crânement. En revanche, ensuite, la publication, c'est aussi beaucoup à destination des partenaires possibles de l'ONG. C'est pour faire connaître le travail auprès des Poténégrins, mais aussi à Brazzaville. Essayer de faire que les décideurs, soit financiers, les entreprises qui peuvent devenir partenaires, soit les hommes politiques, prennent conscience de la situation de ces enfants, de ces jeunes femmes, mettent en place des programmes encore plus performants pour essayer de les sortir de la rue. C'est alerter, mais en même temps dire qu'il y a de l'espoir. Il y a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, Alain Mabankou, toujours dans Lumière de Pointe-Noire, à une personne qui vous dit que les enfants de Pointe-Noire sont dans un paradis de misère, vous ripostez en disant non, c'est faux. Ces enfants-là, ils sont heureux, ils s'amusent avec un pneu, ils s'amusent avec des tongs, ils ont une vie en eux. Donc arrêtons aussi le misérabilisme. Et je crois que tous les deux, c'est une façon que vous avez de transmettre par vos livres, par votre travail, cette pensée positive. Oui, nous n'avions pas le sentiment d'être dans la misère. Ouais. Parce qu'on nous imposait les critères du bonheur qui étaient les critères de l'Occident. Pour nous, le bonheur était ce plat fumant de poulet à la moimbe que préparait la maman, on attendait avec impatience. Pour nous, c'était goûter à une mangue qui venait de tomber de l'arbre. Ça suffisait. On marchait pieds nus, mais on s'en moquait parce qu'on ne savait pas que les chaussures étaient des éléments pour juger de la civilisation des individus. Donc, il n'y avait pas forcément cette misère. Quand vous voyez des gens arriver, un Congolais qui arrive gonflé de sa petite civilisation qu'il croit éternelle, venir donner des leçons parce qu'il a vu un enfant patogé quelque part dans la boue, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est de se sentir bien dans son pays et de ne pas être inquiété et de vivre une enfance libre.
moi, la liberté, c'était de courir pendant longtemps et de sentir le vent soulever ma chemise derrière et puis de continuer de traverser la parcelle d'un vieux, de peut-être même de croiser le chemin d'un coq qui est étonné de ma course. C'était ça le bonheur. Ouais. Mais on ne l'a plus. On ne l'a plus parce que les critères qu'on a imposés désormais de bonheur ou de bien-être les sont factice, ne ressemble pas à l'enfance que nous avions eue à l'époque. Oui, mais quand même, voilà, que ce recueil s'intitule « Le foyer des filles vaillantes », je trouve que c'est vraiment un signe très fort que vous envoyez et auquel vous teniez, j'imagine, Arnaud Bertina. Ah oui, parce qu'elles ont, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une de ces jeunes filles qui est sourde et muette. Au mois de novembre, je la sentais très à l'écart des autres filles. Elle participait très peu par la force des choses, puisque évidemment les autres ne savent pas signer. Et puis elle-même ne sait pas signer d'ailleurs. Donc elle était vraiment murée dans son silence. Et en janvier, je me suis rendu compte qu'au contraire, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'échanges. Elles arrivaient en fait à se comprendre. Elles avaient bricolé comme ça, des échanges entre elles. Et il y a eu cette scène très, très belle. On était en train de travailler dans un des bureaux et tout d'un coup, on entend que dans la cour, il y a une très grande agitation. Et donc, on est tous sortis. Et en fait, elle avait son moment de gloire, c'est-à-dire qu'elle utilisait le tableau pour noter les chiffres de 1 à 10 ou pour noter l'alphabet. Et toutes ses collègues, toutes les autres filles, en fait, lui concédaient ce rôle de prof et donc récitaient la leçon qu'elle était en train de leur faire apprendre. Et elle était heureuse, c'était incroyable. Et toutes les autres étaient très heureuses aussi de lui donner ce moment-là. Donc cette générosité qui est partout et qui est beaucoup plus forte que l'accablement, il faut la faire entendre. Allez-y Alain. Ça sera un autre sujet. Ce que je voulais dire quand même, c'est rappeler le travail extraordinaire de l'équipe d'Asie. Voilà, l'équipe a rencontré en rue 150 nouvelles mineures en situation de prostitution. 10 000 préservatifs masculins et féminins ont été distribués. 20 000 repas ont été offerts. 500 actes de soins ont été prodigués. 115 jeunes filles et 66 enfants ont été accueillis dans le centre en 2015. 737 séances d'alphabétisation ont eu lieu et 659 entretiens sociaux, sachant que derrière ces chiffres se cachent des histoires singulières. Voilà, une vingtaine de ces histoires ici dans ce recueil. Je précise que tous les salariés de cette ONG sont congolais. C'est-à-dire qu'il y a deux Français qui travaillent avec les équipes de Brazzaville et de Pointe-Noire, mais sinon tous les salariés sont congolais et ils sont d'un dévouement pour cette cause-là, mais qui est admirable, qui est incroyable. Les trois femmes de l'équipe mobile qui font les maraudes la nuit en tant qu'infirmières dans les lieux de prostitution font un travail incroyable. Elles sont d'une obstination, d'une gentillesse, d'une douceur folle. Donc on peut le trouver où, ce recueil ? On ne sait pas encore. On peut le trouver à Pointe-Noire, puisque tout est parti là-bas. Eh ben, je suis sûre qu'il reviendra, qu'il y aura un dialogue. Alain Mabankou, le mot de la fin. C'est ce que je voudrais ajouter sur le pouvoir de la littérature au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire en particulier, c'est que quand nous écrivons sur Pointe-Noire, il y a pratiquement de la joie à voir comment ces personnages ponténégrins vont recevoir le texte quand ils vont lire. Moi, je me rappelle que après avoir écrit Lumière de Pointe-Noire, donc en 2013, je suis reparti sur place pour justement faire découvrir le livre. Quand je suis arrivé, la première réaction, c'était celle de ma propre famille, puisque à l'intérieur, il y a tout le monde, les oncles, etc. Et en photo, en plus. En photo. Et j'ai eu un vieil oncle qui est arrivé, qui prend le livre, il le soupèse. Ah oui, tu l'as intitulé Lumière de Pointe-Noire, oui, ah c'est très bien. Il dit, il y a beaucoup de pages. Hein. J'ai dit, ouais, il y a beaucoup de pages. Et puis il ajoute, tout le monde est dedans. J'ai dit, oui, tout le monde est dedans. Après, il dit, oui, mais je ne suis pas dedans. Alors, il s'est dit, tu as même mis cet imbécile 2. Donc, c'était mon jeune plus. Cet imbécile de mon père se trouve là, alors que moi, j'ai passé tout mon temps, pendant que tu étais petit, de t'amener à l'école, d'échanger tes couches. Et je te conseille, si tu veux qu'on reste en phase ensemble, quand tu vas repartir en Europe, tu dois écrire la suite de Lumière de Pointe-Noire et je dois être à l'intérieur. Non seulement que je serai à l'intérieur, il faut me mettre dès le premier chapitre. Voilà. Vous l'avez fait ?
Ben, je n'ai pas écrit la suite des Lumières de Pointe-Noire pour l'instant. J'ai plutôt écrit Petit Piment. Mais à l'intérieur de Petit Piment, il y a un personnage qui lui ressemble. Et d'après les échos que j'ai entendus, parce que je ne suis pas allé, il a commencé à dire simplement « Petit Piment, c'est moi ». Voilà. Donc, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vois que vous êtes très nombreux. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à nos invités, où nous nous quittons sur cette belle formule, ce beau sourire. Et je vous remercie infiniment tous les deux, Armand Bertina et Alain Mabankou, de votre générosité, de votre travail, de votre présence. C'est magnifique. Merci encore. Merci à vous. Hein. Merci.